Hey, ça faisait longtemps, hein? Alors, non, je suis pas mort et c'est bien une vidéo. En même temps, si vous êtes en train de la regarder, c'est que c'est bien une vidéo. Voilà. Alors aujourd'hui, les amis, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de ce que je fais en ce moment, de pourquoi il n'y a pas d'épisode sur le NGI et tout, que j'aurais pu faire d'autres vidéos. Comme vous le savez, j'ai été vachement pris par Heroica et par le boulot aussi. Et du coup, en fait, je me suis un peu pas occupé de moi. J'ai eu quelques soucis de dos, je crois que vous en avez parlé pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. En fait, en gros, j'ai vu un ostéopathe qui clairement m'a comparé une voiture. Il m'a dit, tu es bon, allez à la casse. Attends, je raconte ma vie, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu me réparer au top du top. Et en fait, je me suis posé donc des objectifs en me disant, il faut que je me muscle le dos. Et du coup, voilà, donc là, aujourd'hui, j'en suis à un nouvel objectif, du coup. Qui est la Spartan Race. Et pour ceux qui se demandent, bah, c'est quoi la Spartan, RPZ ma gueule. En fait, c'est une course d'obstacles où en fait ça mélange un peu tout. Faut du cardio, de la force, de l'agilité, de la mémoire aussi. Et oui, bref, faut devenir un Spartiate. J'ai participé à un entraînement sur Toulon et là je m'attendais clairement, mais alors vraiment pas à ça. On en a chié, ça c'est clair, et c'était grave intense. On a fait de la course. On se gêne pas. Allez, on accélère. Allez, on garde le rythme, soutenu là, on est sur le soutenu. Du lancer de balle, on a dû porter des sauts de sable et courir une distance. On se relève sur le sable, hein. On a couru dans le haut aussi, c'était génial. Allez, long genou. Long genou, 5 burpees. Donc voilà, mais au-dessus de toutes ces difficultés, on a eu, en fait, si vous voulez, on s'est tous soutenus, on a bien discuté, il y avait vraiment un bel esprit d'équipe, on a rencontré de nouvelles personnes, quoi, du coup. Et clairement, moi, j'ai trop kiffé. Donc voilà, en fait, ça explique pourquoi mon temps libre, je le fais pas à faire des vidéos ou quoi. Déjà, j'ai beaucoup de travail et après, je vais me vider la tête pour aller courir, pour faire plein de choses, je vais à la salle, hein, après ça m'arrive même d'aller escalader, même des cascades. Donc c'est un de mes objectifs, c'est voilà, donc le 7 octobre à 21h45, je partirai courir 6 petits kilomètres de nuit et franchir une vingtaine d'obstacles pour pouvoir dire je suis fier de l'avoir fait et je suis un Spartiate. Spartiate, quel est votre métier? Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu cours, tu te fatigues et des trucs comme ça, pourquoi tu fais de l'effort, du sport, c'est bon, ça sert à rien, t'as eu ta journée de boulot, t'as forcé. Mais déjà, pour la confiance en soi, c'est ça qui m'a aidé à reprendre confiance et puis voilà, au moins c'est quelque chose où tu te vides la tête. Mais après, au-delà de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les jours, il y a des gens qui dépassent leurs limites, comme moi je le fais en allant courir, mais eux c'est pas justement en courant comme je le fais ou en allant à la salle et porter toujours un peu plus ou se dépasser. C'est juste en faisant juste un petit effort ou en marchant juste 3 pas, et c'est leur quotidien de se dépasser tous les jours. Donc quelque part je me dis je peux le faire, donc je le fais. Et quelque part je ressens aussi finalement la fierté qu'ils ont à ne jamais lâcher, à réussir à aller de l'avant comme ça petit à petit. Et donc voilà, c'est pour ça que je le fais, mais après soyons clairs, je le fais aussi pour moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça me fait plaisir de revenir, de partager ça avec vous. Je vous dis donc à bientôt, il y a peut-être des petites vidéos qui vont sortir là-dessus, des petits trucs que j'ai envie de faire. Ensuite, bien sûr, je me penche déjà sur le NGI, voilà, j'ai des petits papiers ou de recherche, c'est en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, et puis si tu veux t'abonner, ça me fait plaisir. Et je te dis à bientôt, ciao ciao !